Quoi de neuf sous la toile? La nouvelle vient de tomber. Accouche. La Fédération Camerounaise de Football, la FECAFOOT, a procédé ce jour à la nomination du staff technique des Lions Indomptables. Ekiel, vous êtes sérieux là? Oui, oui. Et qui a fait cette nomination? Samuel Eto'o fils. Hey! Ne ris pas encore grand, quel est le nouveau coach? Marc Brice. N'est-ce pas? Donc tout ça, pour ça. Donc tout le bavardage là pour céder à la fin. C'est souillant, hein. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vous avais dit ici que quand ce n'est pas encore 90 minutes et quand l'arbitre n'a pas sifflé le dernier coup de sifflet final, ne jubilez jamais. Vrai, vrai. Vassero, tu comprends quelque chose dans ce match? Je suis de plus en plus persuadé que c'est moi qui ne comprends rien. Et le ministre vous regarde comment? Le ministre a cru que comme il est juriste, il est ministre du gouvernement, il avait le droit de nommer qui veut, comme il veut, comme c'est l'État qui paye. C'est quoi même ce désordre entre la FECAFOOT et le ministère de sport? La FECAFOOT dépend de la FIFA. Là, tout le monde sait déjà. Samuel Eto'o nomme son nouveau staff sur quelle base? Le président de la République a sorti un décret en 2014 qui autorise le président de la FECAFOOT a désigné tout le staff. Là, c'est clair, non? Et le ministre maintenant nomme son staff sur quelle base également? Maintenant, on nous dit encore que non, il y a aussi une convention qui a été signée en 2015 qui dit que le ministère des Sports peut aussi faire... Finalement, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous parlez? Ce n'est pas administratif. Ma salope, Cameroun, c'est un continent. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. J'ai dit que... Mais, mon frère, hey! Finalement, qui fait quoi donc? Comment un juriste peut prétendre maîtriser le fonctionnement de football comme un footballeur professionnel, une légende comme Eto'o? Ce n'est pas possible. Ah bon, hein? Donc tu veux dire que le ministre ne sert à rien alors? Il maîtrise mieux le football que le ministre qui est juriste. Vassero, tu entends ça? Excuse-moi, Bic. C'est moi qui n'avais pas compris ton niveau de force, man. Mon frère, comment tu veux aussi la faire si? Ça, c'est en tout cas... On ne peut pas même parler ça. Bon, bro, continue un peu avec la liste de la voix. L'entraîneur des gardiens, c'est Idriss Carlos Kameni. Quoi? Yeah. Qui d'autre? Entraîneur adjoint numéro 1. Ah. Il s'agit de monsieur Tungu Pile Martin. Et le 2? Monsieur Fagou David. C'est qui le médecin? Le médecin des Lions Indomptables du Cameroun, c'est le docteur Foto Guapa Patrick Juel. Qui d'autre? Coordinateur général des sélections nationales. Ah. Monsieur Angba Benoît Christian. Continue. Nous avons le coordinateur adjoint numéro 1, qui est Monsieur Pensy Serge Renault. Il n'y a toujours aucun problème. Continue. Le team manager des Lions Indomptables, c'est Monsieur Aloudi Nicolas. Là, je sens derrière le danger. Le nom de quelqu'un a disparu. Continue un peu. Team presse officiel, c'est Monsieur Thierry Ndo. Qui d'autre? L'agent de liaison, c'est Monsieur Ebolo Abada Arnold. J'ai comme impression que le nom de quelqu'un ne figure plus dans cette liste de Valcero. Je sais que tu es dépassé, papa. Parle quand même. Je constate. Quoi? Omambik a été viré. Hey! Juste un instant pub et on se prend après. Ok. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge. Deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Ok. Omambik a été viré. Hey. Remplacé par qui? Il a été remplacé par Bernard Angua. C'est grave. Allez dire. Vassero, qu'est-ce que tu as remarqué dans cette nouvelle liste? Il y a une différence entre... Il n'y a pas une différence entre nommer son staff. Comment ça? Moi, je comprends rien. Et qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour ce nouveau staff? Parce qu'après, tout le monde est content. Marc Brice est toujours président. Mm-hmm. L'église d'or est contente. En fait, tout le monde est content, quoi. Donc, on peut conclure qu'il y a la paix dans les deux camps. Finalement, quand j'ai lu tous les papiers et tout, c'est que tu n'as nommé aucun staff. Mais tout le monde en crée voir qu'il y a un nouveau staff. Comment tu peux dire ça?
Ils ont nommé un nouveau staff. Mais oui, c'est clair. Mais le patron de l'ancien staff est toujours là, Marc Brice. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle qu'on passe le ballon, on te passe par le dos, ça revient pas ta main de devant. On te fait de la prestigitation. Wouh! Donc, ils sont en train de jouer le ndoshi dans nos têtes alors. Ça dit que les supporters Marc Brice sont contents, c'est-à-dire que les pro-MINCEP, ils sont contents. Hein? Les églisiens, eux aussi, ils sont contents. Ah oui, c'est ça. Tout ce que je veux te dire, mon frère Samuel, c'est que la guerre que tu viens déclencher avec Omambik, ça va être infinissable. Comment ça? Il a juste nommé son nouveau staff, non? Avec un tel manque de respect, parce que ce que tu as fait, c'est que tu as tout simplement collé une humiliation à Omambik en public. En tout cas, c'est entre eux là-bas. À présent, nous voulons voir la joie des fidèles de l'église de Tinga. Tout le monde, on peut imaginer ce qui s'est passé derrière. C'était pas facile. Donc, moi, je tiens à féliciter notre pasteur, notre évêque, notre pape. Qui ça? Le docteur Samuel Eto'o. Vraiment, petit frère, calme-toi. Un autre fidèle. Monsieur, vous avez décidé et il en sera ainsi. Sur ce, ciao. Encore un dernier fidèle. J'ai dit, je répète encore aujourd'hui, comme il avait fait avec les artistes, il avait trouvé garçon chez les artistes. Aujourd'hui, avec les lions et l'homme et la Fekafo, il vient de trouver un autre garçon. C'est de ça qu'il est question, les amis. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.